Eh bien, salut tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. On va faire du drone là-dedans. Hein. Bon, c'est pas la première fois pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Ben, normalement, ils sont pas surpris. Mais oui, on va voler là-dedans avec un drone racer. Le Cinewhoop, celui qui a les protections, c'est vraiment bien pour ça. C'est quasiment pour ce genre de spot que j'ai utilisé ce drone, que j'ai acheté ce drone. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer ce que c'est que de piloter ce petit drone là-dedans. C'est stressant ou pas. On va voir si je me crache ou pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas volé. Donc, va falloir être un petit peu indulgent avec mon pilotage. Je vais essayer de pas faire de casse. Et puis, on va attendre que les vélos se passent. Bonjour. Et puis voilà, on va essayer de faire le minimum de casse. On va essayer aussi d'éviter les cyclistes qui passent sur le chemin. Puis vous voyez que le spot est vraiment sympa parce que bon, il y a beaucoup d'arbres, il y a des gros rochers, il faudra faire attention à pas taper les rochers, mais ça va. Le sol est très mou, il y a beaucoup de feuilles, donc normalement pas beaucoup de risque de casse, ça devrait bien se passer. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment passer par exemple entre deux arbres comme ça, et ce à quoi il faut faire vraiment gaffe, c'est ces petites branches là. On les voit au dernier moment. Je reste sur Fat Shark parce que je préfère les lunettes, le masque. Je n'aime pas, c'est pas ergonomique, ça prend trop de place et je suis pas fan. Mis à part que la technologie est folle, je suis vraiment pas fan, donc je garde les Fat Shark. Donc là, je réfléchis un petit peu où est-ce que je vais me mettre. Je pense que je vais me mettre dans ces coins-là, comme j'avais l'habitude de faire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai apporté dans mon sac. Et puis voilà, on va commencer à voler. Hein. Bon, je vais me foutre là parce que là, j'ai une belle vue sur à peu près tout. Bon, une fois que je vais partir vers la droite, enfin, surtout quand je vais partir vers la droite, je vais avoir pas mal de pertes parce qu'il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est le seul problème qu'on a lorsqu'on est dans ce genre d'environnement, c'est qu'il y a beaucoup d'interférences. C'est pas comme si on avait un espace complètement vide. Donc là, je vais facilement perdre la connexion, il va falloir que je fasse gaffe avec ça. Donc c'est parti, je déballe tout ce que j'ai apporté. Au final, j'ai pas forcément apporté grand chose. Hein. J'ai apporté 2, 4, 6, 7... batterie avec le seul drone que je vais utiliser aujourd'hui, les Fat Shark qui sont là-dedans. C'est pour ça que je prends des Fat Shark, c'est que c'est vraiment minuscule. Et puis notre petite Taranis QX7 que j'aime beaucoup. On va mettre la petite sangle pour piloter debout parce que évidemment debout on captera bien plus facilement que si on est assis. Puis c'est parti, hein, on va préparer tout ça, lancer les premiers vols et voir si j'ai pas trop perdu de niveau. Allez, c'est parti, je mets tout en place. Je vais le mettre sur le chemin évidemment, parce que c'est toujours un peu chiant à faire décoller les Cinewhoop, c'est un peu lourd. Hop. La dernière fois, il avait des petits problèmes pour le décollage et tout ça. C'est pour ça que je l'avais pas fait voler dans les Alpes. Voilà, normalement, ça a l'air d'aller. Donc on voit... Ok, bon, c'est bon. Allez, je vais me caler sur mon poste de pilotage. Ah non, si j'oublie d'enregistrer avec la GoPro, ça va être con. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça. Oh. Allez, je vous lance aussi le DVR pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans mes lunettes. C'est le gros bordel, mais bon, allez, petite concentration, j'ai un peu moins parlé. Ça va. Dans ce genre d'environnement, il faut vraiment regarder loin. Surtout pas regarder l'obstacle. Voilà, ça c'est la ligne que je voulais faire. Que je rentre du premier coup, je suis content. Vous voyez là, je commence à avoir des glitches, donc j'anticipe, je fais demi-tour. Oh là là. Et vous voyez, si je fais ce chemin en suivant un cycliste, ça peut être vraiment sympa. Après, des fois, il faut savoir se dire YOLO. Hein. Même si on voit rien, des fois on se dit la ligne est bonne, ça passe ou ça casse. Hein. De toute façon, on risque pas grand-chose. Wallé ! On a embarqué une branche. Oh putain, je sens une bête dans mon crâne, là.
Ah, il y a vraiment une bête qui me grimpe. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, je vais atterrir. Ah non, là, il est trop bon, je continue. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, je suis content de ma ligne, je vais m'arrêter là pour ce premier vol. Oh putain, qu'est-ce que j'ai? Mes lunettes, j'ai quoi là? J'ai rien. Putain, il y avait un truc qui me... Bon. Là, tout de suite, là. Bon, elle s'est barrée. Bon, franchement, je suis content, je pensais vraiment que j'allais perdre beaucoup. Au final, ça passe. Bon, après, l'avantage, c'est que je connais quand même un minimum le spot. La ligne que je voulais faire, je l'avais faite beaucoup, beaucoup de fois. Je l'avais même faite avec le bêta FPV, c'était passé. Bon, le bêta FPV est vraiment minuscule. Mais vous voyez, même si on tape des branches, on peut continuer à avancer. Et c'est ça qui est vraiment cool. Je suis vraiment content. On va sortir des beaux trucs. Je sais, je m'excuse d'avance pour la pixelisation et la compression YouTube. Parce qu'en fait, c'est le problème un petit peu d'ailleurs que vous pouvez voir, constater sur mes vidéos. C'est que j'ai plein de trucs qui me montent dans les cheveux, c'est horrible. Les plans Mavic sont beaucoup plus propres et beaucoup moins pixelisés parce qu'il y a moins de mouvement. Et j'ai pu remarquer avec d'autres vidéos qu'il y a sur YouTube, notamment par exemple les timelapses en 8K sur YouTube sur la même image, on peut voir que toutes les images qui sont relativement fixes sont parfaites et les plans de l'eau qui coule lors du timelapse sont ultra pixelisés. Donc je suis vraiment désolé pour ça. Il va falloir faire abstraction parce que dans ce genre d'environnement où il y a beaucoup d'informations, de la lumière, de l'ombre, beaucoup de feuilles, etc. et qu'en plus ça bouge vite, va forcément y avoir de la pixelisation à cause de YouTube. Donc on les remerciera, hein, avec beaucoup de sarcasme, mais voilà, c'est comme ça, je suis désolé, mais ça n'empêche pas que ça reste ultra stylé, que je vais vraiment essayer de vous donner une qualité la meilleure possible, quoi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à nos premières images. Et on va direct enchaîner sur un deuxième vol. Bon, alors pour la deuxième lipo, je pense que je vais un petit peu me mêler aux feuilles qui sont relativement hautes. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de branches et tout ça. Mais je me dis que ça peut être vraiment sympa. Il faut essayer au maximum de s'écarter du sol pour vraiment avoir l'impression qu'on est un petit oiseau qui se balade dans tout ce joli espace. Faire un petit peu d'autres lignes, m'aventurer un petit peu là-bas. Mais pour l'instant, ouais, je vais essayer de voler un petit peu plus haut et de faire des lignes tout droites, et comme ça au moins au montage. Ça, vous pourrez le voir sur mon Instagram d'ailleurs, où je fais très souvent des plans à l'envers. Donc il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce que tu pilotes à l'envers ou pas? Ben non, je suis pas aussi fou. Je fais juste le montage à l'envers en fait. Et ça donne cet effet qu'on a l'impression qu'on va vers l'arrière tout simplement. Ma deuxième lipo est prête, je remets toutes mes affaires. Et puis c'est parti, on va redécoller. On se replace, on lance bien tout cette fois-ci. C'est vrai que c'est dur quand même, il y a tellement de choses que c'est difficile de s'inventer des lignes. Donc c'est pour ça que ce petit creux qu'il y avait dans la roche était très sympa. Là, je vais me mettre plutôt, je pense, juste ici. Ce sera sympa. Je me mets là. Hop. Allez. C'est parti. Alors déjà, je vais y aller tout doux. Ah, vous voyez, c'est chaud, hein. Il y a vraiment trop de branches. Wow. Ah, c'est sympa là. Ah, c'est cool. Le problème, c'est que je suis pas assez fluide dans mon pilotage. Olé. Là, c'est chaud. Ok, voilà. Premier crash. Bon, rien de grave, hein. C'est juste qu'il y avait des branches devant moi. Je pouvais pas faire grand chose, donc... Je vais aller le chercher tout de suite. Ben, j'ai plus de buzzer. Mon buzzer marche plus. Il va falloir le chercher. Ça, c'est une bonne chose à savoir quand même. C'est quand même plus pratique d'avoir un buzzer pour le retrouver.
Mais bon, ça pose pas de problème, je sais relativement où il est. Puis bon, il est assez flash, voilà, je le vois d'ici, donc ça va. En même temps, mon buzzer est pas du tout bien fixé, donc ça me choque pas plus que ça. Il est où mon buzzer? Ouais, il est là. Je pense qu'il s'est dessoudé. C'est compliqué hein, d'aller là-haut, beaucoup de branches. Donc je pense que je vais me raviser, parce que je n'ai pas envie de le casser. Et on va essayer de faire des prises peut-être un petit peu plus loin dans la forêt, on va avancer. Bon écoutez, j'aime bien ce spot, on a pas mal de vision sur à peu près tout, à 360 degrés. C'est un peu moins joli, mais on va quand même essayer de faire des grosses lignes, genre un bon gros tout droit qui dure assez longtemps. On devrait bien se débrouiller. Allez, c'est parti. On lance la GoPro, on lance le DVR. Et puis c'est parti, hein, on vole. Je vais découvrir en même temps que vous un petit peu cet espace. Ah et d'ailleurs je suis en mode accro, hein, je suis pas en mode stabilisé au passage pour ceux qui se posaient la question. C'est cool ici, franchement. Bon, eh bien écoutez, c'était très sympa, franchement, très content de ce que j'ai fait. Pas trop de casse, pas trop de crash. Puis ça me donne vraiment envie de m'aventurer encore dans d'autres endroits, de refaire des spots que j'avais déjà fait, notamment les petites maisons abandonnées, les trucs comme ça, où c'est un peu plus risqué, notamment par exemple la piscine que je vous ai pas présentée en vidéo, alors que c'est un spot qui est vraiment ouf. Donc on va y retourner dans pas trop longtemps, j'espère. Et puis, ben, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de mettre votre avis si ça vous donne envie de faire des petits spots comme ça. Et surtout, un petit j'aime, évidemment, ça donne beaucoup de soutien. Puis, on se retrouve une prochaine fois, j'espère, dans des super conditions comme on a eu aujourd'hui. Et puis, ben voilà, c'est tout. Hein. Ciao tout le monde.